Et salut YouTube, et bienvenue pour la quatrième et dernière partie sans aucun doute des sessions ERA sur ce jeu. La dernière fois on a fait le jeu en pacifiste, c'est extraordinaire, et aujourd'hui eh bien il nous reste plus grand chose à faire hein, en gros. 1 million de points ça me fait chier, tuer tous les ennemis ça se débloquera si ça se débloque un jour. Et il y a les Treasure Hunters, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, mais sans grande conviction. Les Treasure Hunters consistent à trouver plein de pièces sans mourir, c'est charmant. Donc là, on va essayer d'avoir 120 pièces, par exemple, on va voir comment ça marche. Ah, tout va bien, mes grosses. Ouf. Viens en live, c'est sympathique. Sauf quand Amiou est là. Mais Amiou n'est pas souvent là, t'inquiète. Sympathique, hein, ce gars. Tu vois, je suis encore plus sympathique que toi. Je m'en excuse. Bon, on va essayer du coup de prendre l'argent. Voilà, on va prendre l'argent. On va essayer d'avoir 120 pièces. C'est la chose à faire. Et on doit aller un 2. Ok, il faut prendre ces passages secrets, sinon on n'a rien. Est-ce qu'il y a une marge à BG ou bien est-ce que c'est à la pièce près qu'il faut faire ces conneries-là? Est-ce que genre le jeu a calculé qu'il y a 120 pièces pile? Ou bien est-ce qu'il s'est dit, oh non, ça va, 120, c'est une... C'est un truc que t'as standardement. Donc le 1-2, je vais devoir regarder le passage secret. Je vais jeter un oeil. Je vais essayer de prendre tous les trucs que je peux trouver pour les blocs avec les pièces dedans. Le 1-3 sera saigné avec toutes les pièces dedans. Et ouais, il faudrait trouver les passages secrets. Alors ça va être l'astuce. Si je comprends bien. C'est un petit tuyau. Ok. Il y a plus de pièces. Oui, je pense bien, Mio. Je pense bien. Je pense bien aussi que prendre tout ce qui est en haut, c'est... Ah bon? Ah, me dites pas ça. Alors genre là c'est un Goomba normalement, donc là on va se faire chier. Déjà? J'aurais dû regarder s'il y avait des commentaires sur ce RA là. Bien vu ABG. Ouais, si c'est pas à la pièce près, ça va. C'est ce que je me dis. Après, s'il y a un moyen d'infiniser avec un loop ou quoi, genre un tuyau qui me ramène plutôt en arrière qu'en avant, mais je pense pas que ça le fasse dans ce jeu-là. Je sais que dans Lost Levels il y a ça, mais dans ce jeu-là, j'ai des doutes. J'aurais peut-être dû fouiller un peu plus les blocs. Parce que là j'ai 74 et en fait, la confiance est plutôt moyenne, hein. Parce que est-ce qu'il y a vraiment 70 pièces dans le 1-3? Permettez-moi d'en douter. Faut être grand malheureux pour les blocs à pièces. Ah, on a un expert parmi nous. On a un expert parmi nous. Enfin, beaucoup mieux en grand Mario. Ouais, parce que t'as plus de pièces d'un coup. Quoique, le nombre de pièces n'est pas prédéfini. C'est pas genre 10 pièces dans le bloc et puis ce sera tout. T'auras jamais plus. Et merde. Non. C'est genre ça fait des pièces pendant 10 secondes et tu peux prendre à l'infini entre guillemets et au bout de 10 secondes ça devient normal. C'est extraordinaire ce jeu. Il vanille et les tâches s'évanouissent. Parce que là... Là j'arrive à 97. Là j'arrive à 101 pièces. Waouh. Parce que là il y a 4 pièces dans le château mais il n'y a que ça. Il n'y a pas plus. Ok. On va éviter le passage secret. On va éviter le passage secret du début, on va voir. On va voir. On va regarder. J'ai pas pris en note le nombre de pièces que j'avais à la fin de chaque stage. Par contre, c'est chiant qu'on est en deuxième quête parce que ces ennemis-là, c'est pas des Goombas, quoi. Il y a 6 blocs cachés dans le château. Ouais, mais dans tous les cas, j'avais pas le total qu'il fallait.
J'aurais pas dû péter celui-là. Ouais, ça a l'air d'être quand même très efficace. Cette méthode est pas débile. Ça, c'est un power-up qu'il y a là-haut, je le sais. Est-ce que quelqu'un sait combien j'avais de pièces en finissant le 1-1 tout à l'heure? Parce que là, j'en ai 24. Avec une pièce dedans. Oui, ça fait 6 pièces. Merci, Quick Mat. C'est 120 pièces qu'il me faut hein, pour le R1. 120. Donc, voilà. On avait 23. Waouh, il y a une pièce de plus. Énorme, hein. Énorme. Je rigole. Je t'emmerde. Le jeu, je t'emmerde. Est-ce que la carapace peut dispose, merci. Putain, ça m'est. Ça c'est un truc que si j'étais pas en deuxième quête, j'aurais pas à l'avoir. Bah bravo. Ah oui mais il faut pas mourir par contre. Il faut le faire sans crever. Parce que c'est pour ça qu'on veut pas farmer les pièces du coup. Ah, c'est malin. C'est malin. Putain, ce truc là, ce parabitle là de mort, là me fait chier. Il me fait royalement chier. Si, je peux farmer les Mewtwo, mais le problème c'est que je perds mon voyage de monde en monde après. Ouais, là j'en ai 23. Ouais, fondamentalement, ouais, ça change pas énormément de choses. T'avais raison, Mio, t'avais raison. Après, là, c'est plus une partie bonus, entre guillemets, sur les R1. Mais on reste au monde 1. Et il est pas en deuxième quête. Parce que le truc de ces ennemis-là de merde, là, c'est qu'on veut pas les tuer avec la fleur de feu. Tu vois, on peut pas, ça marchera pas. Ils étaient malins, ces développeurs. Hein. Ils n'avaient pas fait que prendre de la drogue, quoi. J'ai essayé de prendre ce que je pouvais. J'essaie de voir s'il n'y a pas des blocs, qu'il y aurait des choses dedans. À mon avis, il doit y avoir plein de pièces dans ce niveau-là. Quelle vie, ça c'est bien. C'est bien à tout le monde, mais tout le monde s'en fout. Allez, là du coup, je suis pas grand pour ça. Parce que là c'est de la bite, c'est ça que tu vas me dire. Ah, quoique là j'en ai déjà 80. Hein. J'en ai plus, j'en ai plus. Il y a un bloc caché, il faut forcément casser un bloc avant. Le bloc caché, ils ont pas de pièce après. Ah, il y a une pièce, ouais. Une. Ah non, il faut forcément casser un bloc avant. What are you talking about? Attends, là, il y a 80 pièces. Il y a peut-être de bonnes chances d'avoir quelque chose d'intéressant. Parce que là, je vais dépasser les 100. Un farm de pièces? Bloc caché? Oui, il me faut forcément casser un bloc avant. Il va falloir que je regarde, alors. Ouais, là, par contre, c'est plus... C'est un multicoin. Ouais, c'est plus valable. C'est plus la peine. On va dire de regarder.
Je peux pas. Je peux pas casser une bimbale avec ça. Ça me fait chier. Ça m'a saoulé. Allez, j'arrive à 110. Ah! Connard. J'arrive à 110. Ah là là, c'est vraiment des achievements pas amusants. C'est définitivement, je les fais pas tous. Définitivement, je les fais vraiment pas tous. C'est juste chiant. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a vraiment aucun intérêt. Faire ça, ça me m'amuse pas. Ça m'amuse pas. Clairement pas. Ouais, au moins c'est pas la pièce près, mais on se fait chier quoi. C'est terriblement chier quoi en termes de foi à l'humanité là, c'est violent quoi. Oh merde. Ça j'en veux vraiment une de plus. Ouais, j'ai une pièce de plus ici. Incroyable. Bon, tu vas devoir m'expliquer à Miyu où est ce multicoin. Où il est. Le truc c'est que j'hésite très fort à faire un hard reset pour le Goomba. Avant le one-up, il y a un rectangle de bloc. Et ce rectangle de bloc est un multicoin, tu vas me dire. Faut casser le premier à droite. Ok. Le truc c'est que ça, ça me touche, ça me tue. Nice. Continue comme ça. Parfait. Bon du coup j'ai pas farmé toutes les pièces du monde. Je vais taper celui au-dessus. Tu me dis si jamais tu fais là, hein, avec le décalage, j'essaierai de le voir. Pas se faire toucher, ce serait un peu débile. Là. Là. Ici. Ici. Ça, c'est une power-up, ça. Bien vu. Bien vu. Bien vu, Amiyo. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ici. Je casse tout. Hein. Dans le doute, je casse tout. Prostrat de ceux qui ont besoin de vie. Ah bah ça, tu vois, ça va te servir. Tu vois, ça te servirait bien un jour. Et en effet, j'arrive à 93. Ah ouais, ça change des choses. Ouais. Putain, si chaque monde doit être aussi léché que ça, par contre, ça va me faire chier très vite. Ah, c'est bon, calme-toi. C'est pour le plaisir. Normalement c'est bon. Normalement, on est à l'abri.
Sans ne pas mourir, parce que le truc c'est de... Ouais, un truc. Ouais, je sais. Je connais, mais je pensais qu'il y en avait que 4, mais en effet, il y en a bien... Il y en a bien 6. J'avais oublié. Ouais, je sais, t'inquiète. Alors, grande salle, apparemment, c'est censuré par le... Tobod. Quelqu'un devra m'expliquer pourquoi. Grande salle, et ouais, c'est censuré. C'est censuré, interdit de parler de grande salle. Ah ouais, qu'un 16, et ouais, et tu vois là. Et tu vois, si j'avais cru qu'il y avait 4 blocs, j'aurais cru que c'était optimisé. Bah, il y a. Oui, oui, c'est ça. C'est grande salle. Hostilité, c'est hostile. Grande salle, c'est hostile. C'est très hostile comme message. Très hostile. Mais je connais le pattern des blocs. Ils sont ici. Ici, là, ici. Ah oui, on a en effet, bah oui, on a en effet, oui. Master Treasure Hunter. Je suis devenu un maître chasseur de trésors. Monde 2. 140. Mais ouais. 140. Donc si on y arrive, ça va nous mettre à 62 pièces. Logiquement, il faut arriver jusqu'à 62 pièces. Donc si tu connais les secrets, les strats, Aminou, je compte sur toi pour m'aider. Ouais. C'est sûr qu'après, là, oui, je te comprends. Alors il y a déjà ça. Ça sert pas à grand chose d'ailleurs. D'accord. Est-ce que un jour... Alors ça, c'est impératif de le prendre. Sinon, il peut rien faire. Et en plus, la plateforme est petite, non? Vu que je suis en deuxième quête. De prendre des 3 demi-claques, j'en ai vu 2, c'est pas grave. Enfin, ça peut être grave. Parfait. Ok. Nice power-up en tout cas. Ces messages. Désolé. Je reviens. Si la PSP s'est ratée, oui. Oui, mais de ce qu'on a vu, ça ne devrait pas l'être. On va se dire ça comme ça. Normalement, ce n'est pas supposé d'être un truc à la pièce près. Ce que je vais faire d'ailleurs, c'est que je vais couper Discord. Voilà, nous sommes repartis. Alors par contre, avoir une 60aine de pièces ici, je vous avoue que ça va être un petit peu la galère. Faut que j'arrive ici à 62, si j'ai bien compris. T'as loupé une pièce. LOL.
dans le 2-1. Ouais, bah ça. Une, ça va. Alors que tu me dises qu'il y avait une pièce secrète que j'ai loupée. En théorie, non. Pas supposé. Putain, je déteste ces ennemis, je les déteste. Ces ennemis, c'est de la merde, c'est de la grosse merde. Le pire, c'est qu'ils sont extrêmement bien codés. Les blobs de l'enfer, ouais c'est bon. Il me reste 40 pièces à avoir. Ouais. Si quelqu'un s'y connaît. Ouais, 20. Oh oui, oui, non, c'est pas. C'est 140 qu'il me faut dans ce monde-là. Ami, où ça change à chaque monde, tu vois. 140, 125, 155, 120. Etc. Les trucs changent. C'est pas 120 à chaque fois. Non, 120 serait trop facile. Ce serait bien trop simple. Je voulais pas apparaître au monde. Voilà. Bon, bah, au moins on est sûr qu'on ira jusque 40. Je sais pas pourquoi je prends de vie, parce que si je meurs, de toute façon, c'est les reset. Pas de truc, là. Ces poissons de l'enfer, ces poissons de l'enfer, quoi. Qu'ils apparaissent comme ça, en mode, oh, tiens, je suis là. Insupportable. Attends. Y'a rien, ici. Donc là, il faut que j'aille jusque 40. Au moins on est sûr que c'est ça. Hein. Bon par contre si tu me dis que là il y a moins de pièces dans ce machin là, je comprends rien. Parce que ce machin là est bourré d'argent. Ah non j'en avais pas 120. J'en avais 100 ami. Parce que si j'ai fini avec 20. Le monde 1. Non. C'est pas grave. On va se dire que c'est pas à la pièce près. C'est... Par contre, ça peut être un peu plus grave. Un peu plus grave. Un peu légèrement plus grave. Voilà, si jamais il manque... C'est quoi, j'ai limite envie de le reset direct. C'est pas grave, je peux devenir grand. Insupportable, insupportable. C'est vraiment extraordinaire. C'est pas bien pièce près, lol. Oh, t'as vu ça? J'ai fait un petit bond après le power-up. Extraordinaire. Ça sert à rien de prendre de la vie. Ah! Mais oui, mais il a pas sauté, putain, parce qu'il était en train de tomber tel un mauvais. Waouh, wow, là ça devient puissant par contre. Le skill là, descend. Ce qu'ils font, telle la neige. Pitié. Merci. C'est où que j'ai eu un multicoin ? Je m'en rappelle, c'est super important. Putain, il faut que j'arrête de péter ce truc, y'a rien dedans.
Tout va bien. Ah, pas grave. C'est après la chute, le multi. Ah oui, c'est ici. Ah, je finis avec 62. Bordel, c'est énorme. Okay, ça va m'être très utile. Ah, on finit avec 72. Donc bon, je vois difficilement comment on pourra en avoir plus. C'est vrai, c'est pas, on n'est pas dans les jeux récents, il ne veut pas crash. Il veut juste soft lock, mais pas crash en mode erreur système. Quoi. Deux pièces perdues, on s'appelle petit reset. Comment ça, deux pièces de perdu? Non. Arrêtez. J'ai perdu une pièce. Une seule. Je suis dans la sécurité. Mais putain, mais c'est quoi ce poisson qui ne meurt jamais? Est-ce que tu veux mourir un jour ou bien t'es immortel? J'ai une deuxième bloc caché. Ah, il y a un bloc. Non, non, c'est une ville, deuxième bloc caché. Sprints. En tout cas, j'en aurais limite 100 piles après ce stage-là. Comme quoi, si c'est pas le destin. Une autre à la fin? Sérieux? Oh merde! L'inconscient. D'accord. Si tu peux crever un jour. Oh, au pire, va-t'en. Va-t'en, va-t'en. Plein de pièces dans le 3, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va découvrir. Mais dans le château, honnêtement, j'ai aucune idée de s'il y a de l'argent ou pas. Hein. Mais je sais qu'il y a beaucoup de pièces dans ce stage-là. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Beaucoup, oui. Tu vois, si c'était 120, j'aurais déjà limite fini. Ce serait trop facile. Tu vois, 120, c'est bien trop simple. Tu vois, 120, là, j'y arrive. Là, j'y arrive. Finger in the nose, largement large. Tout ce que tu veux. Faut pas mourir, par contre. Il faudrait qu'il y ait 5 pièces dans le château. Ce qu'on va voir. On va voir dans le château. Mais à mon avis, il y a peut-être de l'argent, il y a peut-être des blocs, un bloc là qui apparaît. Peut-être un multi-coin. Et là, il y en a 3, et c'était coin perfect. Non. Bon, ces blocs-là, il n'y a rien dedans. Ça, c'est des blocs durs. Il peut y avoir de quoi là-dedans, c'est certain. Ah oui, c'est bon, je sais, c'est gagné. Il y en a 6 dans le château. Pourquoi? Il y en a là. Et voilà! Et ouais, j'ai même pas besoin de faire le boss. Et paf! 125. Comme ça, en plus, ça met mes pièces à zéro. Ça me rend plus serein pour faire mes calculs. C'est pas vous faire des quick maths, ça, j'aime pas. J'aime pas les quick maths. Alors, est-ce qu'il y a du passage secret ici? Est-ce qu'il y a du passage secret un petit peu gras? Oui! Oh oui, il y a. Logiquement, vu que c'est symétrique, ce sera un multi-coin. Pas du tout.
Ouais, faudra voir s'il est rentable ce passage. Mais non, de toute façon, voilà. Après, faut voir aussi où est-ce qu'il fait apparaître. Rien de caché là? Ah bah le signe. Ouais, c'est ce qui me semblait. Petit multicoin là. Petit multicoin. Confiance en multicoin. Ah ah! Ça c'est très bien. Ça c'est sûr que c'est plus rentable. Parce que ça, il y a plein de pièces là-dedans. Ça c'est obligé. Ça ouais, là c'est plus rentable que tout. Oh, tout va bien. C'est pas la pièce près, on l'a vu. Ah, j'en ai pas eu des masses. Peut-être le glitch. Ça donne 15, c'est vraiment bien. Faut voir si le premier passage secret il en vaut la peine. Ouais, plus que 50. Faut avoir la foi. Je sais qu'il y a du multicoin dans ce niveau là. Ça je peux t'avoir. Voyons déjà. Alors si dès le troisième stage on a déjà ce qu'il faut, c'est extraordinaire. Hein. S'il faut pas faire le château, moi ça me va. Hein. Merde. Ah, si moi j'ai pas le château à faire, c'est extraordinaire. Et finalement c'est pas si dur que ça. C'est pas le... Je m'attendais à un truc horrible, mais finalement, ça me donne limite envie de les tenter ces conneries. Parce que c'est ça qu'il y a plein de 25 points dedans. C'est pour ça que j'ai juste 615. Tous les points des RA, ils sont dans ces RA là. Tous les points sont là-dedans en fait. Il n'y a pas de problème. Merci Mr. Prince. Sinon je ne pense pas finir non plus, mais je vais essayer d'aller au plus loin. J'ai failli mourir. Il a failli faire un saut qui n'était pas très correct. J'ai eu très peur. Regarde ça. Ah, il en faudrait quand même 7 dans le château. Faut voir. Faut voir. A plus. Merci d'être passé en tout cas. Passe une bonne soirée, une bonne nuit. Si ça avait été 120, ça aurait été mal. Il va falloir que je regarde des maps des niveaux, je pense. Je regarde. Oh oui. Oh, mes deux pièces. Mes deux pièces. Attends. C'est pas fini, il y a des blocs à la fin. Il y a des blocs à la toute fin du stage. Voilà, là. S'il y a un multicoin là-dedans, c'est gagné. Je suis extrêmement déçu. Je suis extrêmement déçu.
Les deux pièces, quoi, là, aux deux pièces près, quoi. Quel jeu de mort. Ouais, je pense que non, je pense que c'est bien mieux d'être là-dedans. Les pacifistes, non, je les ai finis, Lady. Salut, je les ai finis. Maintenant, on est en train de faire les défis de l'argent. On a fait les défis, on a fait le pacifiste. On a tué personne, on a tué personne. Regarde, Lady, on a tué personne. Coucou, on a tué personne. Et là, eh bien, il nous reste plus qu'à faire ça, les défis de l'argent. Mais je pense pas tous les faire parce que c'est chiant. Ça a l'air chiant quand même, je me disais que c'était pas si pire, mais finalement il y a l'air quand même d'avoir de l'optimisation. Chose que j'étais pas forcément pour à la base. Donc je me dis bon, au pire tant pis, à moins qu'il y ait des trucs de blocs que je n'ai pas vu. Il y avait rien là-dedans, hein, mais moi. Ouais, c'est là-dedans qu'il y avait quelque chose. Ici. Alors ça par contre c'est plus rentable que tout. Ça c'est plus rentable que tout. Est-ce que tu veux monter, Mario? Mais merci pour les 90 bits, Lady, tu es trop gentil. Mais il faut arrêter. Hein. Il va falloir arrêter. Hein. Il va falloir arrêter. Bonne chance, j'imagine. Oui, c'est vrai, la prochaine emote de bits, ouais, oui. Que vas-tu débloquer? Ah ah, c'est mon petit secret, tu verras. Ah ouais, là on arrive à 80. Tout à l'heure on n'avait pas 80. Non, 3680 bits, eh ouais, tu vas aller jusque là. Attendez. Non. Un petit glitch. Y a pas de soucis, Lady. Bon lurk. Bon lurk à toi. De toute façon, je vais pas non plus tarder, je crois. Parce que là, comme dit, je pense pas aller faire en entier. Donc là, je vais faire les trois premiers mondes. Sûrement 4-5. 4-5 mondes, à mon avis, avec ça. Et après, je pense que je vais en rester là. Extraordinaire. Ça donne des points de casser les briques. Étonnamment. Le million, hein, bien sûr, n'oubliez jamais le million. Hein. Ah, je me suis fait une vie carrément. Alors je pense aussi que le fait que j'ai cassé plus vite les multicoins, ça a peut-être aidé. Ça a peut-être aidé. Là, il me reste 22 pièces. Il y a 5 pièces dans le château. Faut pas tomber. Faut pas mourir aussi. C'est ça qui est bien dans ces challenges-là, c'est qu'il faut... Il faut prendre l'argent, mais il faut également ne jamais mourir. Et ça... C'est beau. Déjà? Putain, mais quelle détresse! Ah, j'en ai vraiment eu plus! Et voilà. Parfait! Allez, next world. Ça va être 155. Beaucoup. Ça va être beaucoup. 155? Oui, mémoire. Bien joué. Bien joué, Poisson Rouge Man. Thank you.
Alors ce passage là normalement on le trace. Ce stage là on le trace normalement, donc je vais découvrir. Je vais découvrir à quel point il est chiant. Pas de truc invisible là. Oh oui, une vie, ouais. Mais y a pas de soucis, mes grosses. Bonne soirée à toi. À toi aussi. Je sais qu'il se fait tard pour la France. C'est terrible. Oui. Alors maintenant, voilà, comment je m'en sors dans ce bordel. Bon, on va se dire qu'il n'y avait pas de passage secret. Faut que je sache. There is. Mais j'aurais pu prendre ces deux pièces aisément. Sur mes lives, ah, tu fais des lives aussi? Tu lives? Ah, je pensais pas. Ah bah si jamais, je passerai, alors je ne le savais pas. Pas de soucis, mes grosses. Est-ce que tu as genre un horaire ou quoi que je puisse passer? Bon, ça, il faut... Ok, c'était un peu rapide, tout va bien. Donc j'aurais pu me faire des pièces ici. Donc ce tuyau-là est secret. Et il mène à la fin. Okay. 12h et 14h, heure française. Ou le soir. Ah, heure, alors ça, 12h et 14h, ça va être un peu cible de passer. Ça va être impossible parce que pour moi c'est 6h à 8h du matin, donc là je dors. Mais le soir, je pourrais peut-être faire de quoi. Le soir c'est l'après-midi pour moi. Donc, mais le midi 14h, ça va être impossible. Je serai le soir, alors, si jamais... Je vais déjà passer sur ta chaîne, attends. Je vais venir sur ta chaîne. Et je vais directement à la follow, comme ça dès que tu es en live, je le verrai. Ah ouais, ça a l'air tout beau en plus. Plein de petites miniatures, toutes pleines de petites couleurs. Avec une interface de stream et tout. 622 followers, mon dieu. Ah bah oui, je suis direct. Je suis directement. Ah oui, en plus c'est tout classé avec des collections. Oh, c'est beau. Ah ouais. Ah, ça a l'air incroyable. Moi je pensais pas que tu étais un streamer, autant pour moi. Autant pour moi. Bien. Non mais... Maintenant du coup je suis prisonnier d'OBS qui ne veut pas faire partir cette putain de fenêtre. Ça c'est une horreur hein. Est-ce que je peux juste... tasser cette fenêtre? Est-ce que je peux tasser la fenêtre? Parce que là je ne vois pas ce qu'on me dit dans le chat en fait. OBS, j'essaie de te faire comprendre parce que vu qu'il a mis ton profil est dedans en grand et je ne sais pas l'enlever. C'est extraordinaire, c'est vraiment bien fait. Non, un truc bien fait, ça c'est vraiment un truc bien fait. Est-ce que je peux l'enlever? Encore, merci, mais oui. Ah, bon courage, il en faudra. Ah, c'est bon, c'est parti. Mais non, c'est pas parti. Connard. Connard de truc. Voilà, pour fermer la fenêtre, voilà. Attends, en vrai, il faudrait que j'allonge ça. Ah, comme ça, quand j'ai le profil de quelqu'un... Ça ne perturbera pas. Okay, je vais l'allonger pour la prochaine fois. Bref, quoi qu'il en soit, nous sommes de retour à nos affaires. Pardon YouTube pour cette interlude. Donc nous en sommes à récupérer de l'argent. 155 pièces, très exactement. Donc il y a plein d'argent dans ce monde, c'est ce que ça veut dire. Alors il y a de l'argent dans le truc de Warp, mais il faut pas le prendre. Je m'étais cassé le cul à faire ça. Ok, tout ça pour rien. Alors je sais qu'il y a du passage secret ici par contre. Et si j'avais su, j'aurais pris étoile. Tu me dis que c'est encore un multicoin ça.
Ok. Ça je crée ici. Ouh, c'est ça. Ça par contre c'est pas très opti. Si j'étais Super Mario ça irait bien mieux. Mais on découvre, on fait la run pour découvrir. Pas de problème. Y a pas de mal. pièces déjà. Rien d'invisible ici. Un autre passage secret peut-être. Le passage secret est rentable en tout cas. Il y a un champignon ici, ça je le sais. J'ai fait la run pacifiste tout à l'heure, je m'en souviens. Ok, donc là on nous resterait 40 pièces. Alors ça, de ce que je me rappelle, là il y a de quoi. Non? Très déçu. Ça va être ici alors. Non? Alors le multicoin n'a pas été pris très efficacement. Ouais, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, le temps. Calme-toi, le temps. Alors je pense que le château n'a rien. Je pense pas qu'il y ait de pièces dedans. Donc il faudrait vraiment voir si on peut avoir nos 55 pièces ici. Il en resterait une trentaine à trouver. Oui, une trentaine. 35 très exactement. Oh ouais, ça c'est bien. Ça j'aime bien quand il y a plein de pièces comme ça là. Ça me fait plaisir. Il m'en resterait une dizaine quand même. Il faudrait une dizaine. Regardez dans le château, voir ce qu'il y a dedans. On regarde, on jette un œil. Pas de panique. Mais je pense pas qu'il y ait de pièces dedans. Si tu veux là, mène un passage secret, alors là je suis sur le cul. Mais je pense pas. Surtout après. Donc là, faut que je vois dans cet enfer-là si t'as des pièces. Si t'as des pièces, est-ce qu'il y a des pièces ici? Est-ce que la reine de Bowser a des pièces? Non. Il peut rien avoir. C'est intéressant. Là, il m'en manque une dizaine. Comme... Putain, pas le monde 5. Le monde 4, s'il te plaît. Là, c'est intéressant. Il m'en manque quand même une dizaine. Donc ça doit être qu'il y a des choses qui me manquent. Après c'est vrai que si j'avais les plans genre du jeu, les plans, ce serait formidable. Mais là, alors, à moins que l'astuce est de ne pas prendre ce passage secret. Parce que ce passage secret contient, il faudrait que je regarde combien de pièces il contient. Parce que là aussi il y a des pièces là à droite après qu'on peut se faire. Donc je vais regarder sans le passage, avec le passage ça me donne combien. Je vais faire ce que Mr. Prince faisait. Je compte sur moi, on va dire ça comme ça. Fait chier. J'espère que c'était pas un multicoin qu'il y avait là. Ça veut dire que non. Je le sors ici. Ok, au revoir. Hein. Je finis avec 50. Ok. Putain, le monde 4. Je finis avec 50. Enfin 49. Je finis avec 49, on est bien d'accord, hein, le cerveau. Merci, connard. Ah ouais, du coup je suis trop petit, ouais tant pis. Non parce que là si t'as pas le choix, si tu perds le... J'ai fait un hard reset.
J'ai fait un Harriet sans le faire exprès. Parce que là, pour un bien, j'aimerais ne prendre aucune pièce. Est-ce que c'est possible? Moi, d'entrée, j'ai une fleur, hein, on va dire. Bon, ça va, aller au monde 4 n'est pas très long, mais ça fait chier, quoi. Ça casse les couilles. Rendu là, voilà, quoi. Il faudra la faire de hard way, à mon avis, ça va être compliqué. Peut-être que je vais quand même les continuer, ce truc de pièces, mais je vais pas tout faire aujourd'hui. Je sais pas combien de, depuis combien de temps qu'on est parti. J'ai toujours l'impression que le jeu crache quand j'arrive ici, je sais pas pourquoi. En tout cas, là, le jeu, on le connaîtra comme sa poche. Plus que jamais. À quand on verra sur Barbie? Très bientôt. Très bientôt, Kenichi, j'y pensais. J'y pensais, justement. Salut à toi, en tout cas. J'y pensais, là, justement, tu sais. Juré. Donc là, on est en train de chercher de l'argent, mais vu que comme un gros cave, j'ai hard reset. Donc là, je suis obligé d'aller à la main au warp. Alors que j'avais une situation où je pouvais choisir mon monde librement. Mais là, de la bite. Il y aura plus de Twinks. Ah, ça. Là, tu parles. Là, tu parles, Kenichi. Là, tu parles. Allons-y. Donc j'avais 49 sans prendre le passage secret. Là, je suis en train de prendre des notes sur les pièces parce qu'il faut que je fasse 155 pièces dans ce monde-là, sans mourir. C'est l'heure. Bah bien sûr, la boule de feu passe pile au-dessus, hein, je veux rien te dire, il n'y a pas de problème. Hein. Elle est passée pile au-dessus de l'ennemi, c'est extraordinaire. Même en faisant exprès, j'aurais jamais pu. Tu l'as fait? Pilote Twix, bien sûr. Bien sûr que je l'ai fait. Et ouais, je l'ai déjà fait dans mon sommeil en plus. Je pense que je vais pas tenter plus que ça. Ah bah là, clairement, on s'en sort avec bien plus de pièces, je pense. J'aurais peut-être pu. Y'a rien là-dessus, on est bien d'accord. Regarde pour le lol. Y'a rien. Ok, on a le multicoin ici. Alors, on finit avec clairement plus de pièces. Ici. Clairement. Clairement plus de pièces avec le passage secret. De loin. De loin, de loin, de très très loin. A mon avis, ce qui m'a fait perdre des pièces, c'est le multicoin que j'ai eu, mais j'étais petit. Donc ça n'a pas marché très bien. Il y a peut-être du multicoin caché, là, quelque part, là, dans le stage, je saurais pas dire où. Oh, il y a des Goombas. Oh, ça c'est bien par contre. On n'est pas en deuxième quête. C'est pas des Parisiens pressés, là, invincibles. On est dans un bail plus généreux. Donc le bon tuyau, c'est celui-là. Celui-là, je pense. Ouais, donc là, on n'a rien. Là, j'ai du passage secret. Ouais, on va prendre le passage secret. Ce serait bien lucide de le prendre. Il y a 10 pièces dedans. Plus ça. Donc oui, ça vaut clairement la peine de le chercher. Le truc, c'est qu'il faut, se rendre à ce putain de truc de merde. Faut se rendre. Faut se rendre dedans, mais ça fait chier. C'est le petit détail. Voilà. Ok, j'ai une vie. Donc là, j'ai bien plus de pièces que tout à l'heure, pour une raison qui m'échappe totalement.
Faut croire que les multicoins ont vraiment un grand rôle dans ce jeu. Parce que là, ouais, 155, je pense qu'on va y arriver. Hein. Pas de problème. Bon, je vais quand même vérifier s'il n'y a pas de... Bon, rien. Plus rien. Ça va Kenichi en tout cas. Bienvenue. Bienvenue à toi. Que me vaut le bonheur de cette visite? Tu n'étais pas là hier quand on commence, quand on a commencé. T'as raté la partie où c'était fun et on s'amusait. Pas de chance. Tu viens là, on se fait chier. Ouais, regarde. Dans 30 pièces, là, j'y suis. Ah, mais tout à l'heure, c'était pas 30 aussi qui me restait? Quelle bite. Ça se trouve, je m'ambiance pour rien. Super, hein. Salut Louink. bienvenue sur mon stream. Hein. Et ouais, il est 3h du mat. Et ouais, c'est terrible. Hein. Putain, il va encore m'en manquer une dizaine. Putain, pourquoi? Il en manque plus de 10, là, il me manque quelque chose, il me manque un multicoin quelque part, c'est pas possible. Oh, il va falloir regarder les maps de niveau. Oh. Ah, waouh. Il va falloir regarder les maps des niveaux, putain. Qu'est-ce qu'il m'a fait encore? Il m'a fait faire des trucs, putain, je déteste ça. Est-ce que je peux avoir un truc dans les inputs pour faire qu'il y ait des trucs en arrière qui ne soient pas pris en compte? Parce que là, ça me fait chier. J'espère qu'il n'aura pas fait des trucs bizarres, en tout cas, en fond. J'échappe à 10 pièces. Ouais, là j'en ai bien plus en prenant le passage secret. Obligatoire. Ok. Est-ce que je peux avoir accès aux autres niveaux? Il y a beaucoup de silence, je le sais. Il y a un multicoin là. Comment est-ce que tu veux le savoir, bordel de bite? D'accord, donc ça c'est de la merde. D'accord, bon, il y a un multicoin. Je vais vous montrer, il est où le multicoin, vous allez voir, vous n'êtes pas prêt. Si vous êtes prêt à voir le multicoin, moi je suis pas prêt. Ah, t'as fait que gagner. Ah oui, bah forcément. Dès qu'on gagne, je me pousse à aller plus loin. Évidemment. Il y a un multicoin que j'ai raté. Je déteste ma vie. Je déteste ma vie, ma petite vie. J'ai envie de tout casser. Voilà, mourir. Vous ne m'intéressez pas. Tiens. Ouais, je pense qu'on va faire ce monde-là et après on va rester là. Au pire, je ferai une ultime partie, mais plus tard. Pas tout de suite sur les rats de Mario. Lol. Peut-être qu'en off, je ferai le million parce que ma strat, en fait, je vais l'expliquer pour cette session et pour YouTube. Ma strat pour le million, c'est de refaire ce que j'ai fait à la partie d'avant. C'est-à-dire de faire le trick des 3 vies, des vies infinies même, pas juste 3, infinies carrément, le trick des vies infinies. Et comme ça, vu que j'aurai vie infinie, je vais pouvoir faire en boucle le 3-2, qui donne des enchaînements de points avec les carapaces. Ce qui est plus lucide que de tenter le glitch à chaque fois et de mourir. Et c'est mon plan. C'est mon plan, voilà. Donc je ferai ça en off sûrement YouTube. Donc c'est pas très intéressant. Si je le fais, je ferai ça. Voilà. Le glitch des vies infinies, puis après on boucle, on fait le 3-2. Vu qu'on est vie infinie, bah on va jamais mourir. Et on fait les trucs de vie. Voilà. Ça te ferait chier, YouTube, ça te ferait chier. Déjà, d'habitude, rien ne fait chier. Dès que ça fait pas 10 minutes, t'en as marre. Donc bon. Voilà, YouTube. La sympathie, hein, la sympathie, hein, on notera. On notera la sympathie. Thank you.
Ah! Est-ce que je peux te tuer? Ah oui! Mais mon Dieu. Ok, nice. Vous allez voir le multicoin. Vous êtes prêts pour le multicoin? Vous n'êtes pas prêts. Moi, je dis vous n'êtes pas prêts. Il y a un putain de secret que j'ai pas vu, Louis, en gros. Ça va, toi, en fait? Est-ce que tu vas dormir ou bien est-ce que tu restes encore un petit peu me regarder? Est-ce que tu restes un petit peu... Yes! De toute façon, je pense qu'on va faire le monde 4 et le 5 peut-être, et après on va s'arrêter là. Comme ça, pour la prochaine, il restera que 6, 7, 8. Le plus gros! Bien évidemment, le plus intense. Alors. Excusez-moi. Ok. Ok, donc si tu le sais pas, t'es dans la merde. Vous allez voir. Vous allez voir. Donc en gros, j'explique à Loïc, il me faut 155 pièces dans ce monde-là. J'en ai 60 pour l'instant, sans mourir. C'est le R. Donc, on cherche à avoir beaucoup d'argent. Bien évidemment, tu t'en seras rendu compte. Eh bien, quelque part ici, il y a un multicoin. Un truc qui donne plein d'argent. Tout simplement. Je sais pas si j'aurai assez, par contre. Avec mes plans brillants, là. Enfin, mon kéké. Parce qu'il me manque quand même beaucoup. Est-ce que ce multicoin, c'est la clé? Qui fait que tout devient merdique, ou bien... Parce que là, j'ai des pièces. Parce que j'étais un peu surpris au début, du coup j'ai l'impression de ne pas avoir pris assez de pièces. J'ai un très mauvais pressentiment. J'aime pas ces feelings de merde. Il me faut juste une quinzaine de pièces. Il me faut une quinzaine de pièces dans le stage d'après. Je pense que c'est bon. Je pense qu'on est bon. Ah non, je dis de la merde. Il m'en faut 25. Il m'en faut 25. Ah ouais, merde. Ah, je suis pas sûr. Mon Dieu, même en sachant ça. Putain, j'aurais dû être plus réactif sur le bloc. Je refuserais de le croire. Il me reste 15 pièces à trouver. 15. 8. Il me reste juste 8 pièces à trouver. 7. 6. 1. 1. Il me reste une pièce. Une pièce. Une. Il n'y a pas de pièce dans le château. Je le sais qu'il n'y a pas de pièce dans le château de merde. Je vais regarder s'il n'y a pas de pièces dans le château. Il n'y a pas de pièces dans le château. Il n'y a pas de pièces dans le château. J'en suis sûr, j'ai regardé une map. J'ai regardé des maps. Ah, j'ai des maps des niveaux. Rendu là, hein, c'est bon. C'est mon multicoin que j'ai pas assez. Que j'ai pas assez farmé, quoi. Putain, quelle vie de merde.
c'est le Big Rip là. Après le Big Deal, voici le Big Rip, présenté par Zeldo. Et à chaque fois se retaper ça, à chaque fois parce que comme un gros con j'ai fait un hard reset. Je pense que la prochaine fois on va devoir se taper le jeu pour la prochaine session. Donc ouais, soit j'arrête là après le monde 4, soit je fais encore le monde 5. Je vais regarder combien de pièces c'est le monde 5 et je vais regarder un petit peu les maps, voir s'il y a de quoi à l'avance. Parce que désolé. Donc il faut vraiment que je farme plus le multicoin. Comme ma vie quoi. À une pièce près quoi, à une pièce près. Connard de jeu quoi, connard de jeu. Je peux pas prendre de pièces ici hein, au passage, si jamais vous vous posez la question, je peux pas. Hein. Du coup j'aurais pas fini ce soir, je voulais finir ce soir. Ce sera même pas fini ce soir, faudrait que je fasse un soir la semaine prochaine. Au pire ce que je peux faire c'est de finir Mario 1 et faire un autre jeu après. Comme ça au moins, parce que le live faire juste 3 mondes de ça, ça va être assez court je pense. Quoique vu la longueur de un monde ici je me pose des questions. Je vais pas te niquer toi. T'avoir. Eh oui. En fait, l'astuce, c'est de ne pas courir. Encore une fois, ce jeu, il ne faut pas courir. Ce jeu, tu cours pas, tranquille. Prends pas le passage chakra sans le faire exprès. Pas de multicoin, non. Non. Putain, c'est vraiment serré, par contre, ce monde-là. Les autres avaient genre 2-3 pièces de marge, mais là j'ai vraiment l'impression que... Ouais, à mon avis c'est le multicoin que j'ai pas assez saigné. Ouais, je sais pas. En tout cas je vais arriver à au moins 100 pièces quand j'aurai le passage secret là, dans le 4-2. Puis après il va falloir que je vois. Faire le jeu sans mourir à présent n'a plus l'air d'être bien difficile. Rendu à un point où la tolérance à la douleur a atteint ses limites, je pense. Donc c'est là qu'il faut que je performe, que je sois pas con. Ok, ça c'est pas mal. Pas mal du tout même, j'ai envie de dire. Ça vaut. J'ai eu plus de pièces que tout à l'heure, je pense. Ça vaut le RA, à mon avis, là. Là, on est gagnant. Ouais, à mon avis, là, on est gagnant. À mon avis, là, on est gagnant. Là, on est gagnant. On va aussi avoir la vie là-dedans. Mais cette fois-ci, on l'a plus vite. Oh, on a 18 pièces. Je sais plus combien j'en avais. Putain, j'aurais dû me rappeler de combien de pièces j'avais avant. Je retiens pas les pièces que j'ai. C'est assez fâcheux. Cette musique est délicieuse. En tout cas, j'espère qu'elle s'imprègne bien dans votre crâne. En ce moment. Hein. Parce que moi, c'est le cas. J'avais 27 tout à l'heure, j'espère que oui. Il me faut 27 pièces. Il me faut 27 pièces. 27 pièces et c'est la victoire dans ce stage de mort. Pitié. Non, c'est vrai, j'ai pas baissé le son du jeu, j'espère qu'il était pas trop fort. Parce que j'ai pas fait attention au son, mais je pense que je l'ai réglé comme au live précédent. Bon, ça devrait être bon. Il me manque 15 pièces. Il en manque plus de moins de 10. Plus que 7. 6. 5.
c'est à la pièce près, motherfucker. Motherfucker. Bon bah tant qu'à être là, on va finir le monde 4, comme ça on va monde 5 direct. Problème, c'est que je vais avoir du coup 55 pièces, va falloir que je fasse un calcul pour avoir le bon nombre de pièces en tête. Faudra que je fasse moins 55, quoi, mon total. Mais on en reste là. Comme ça, je peux me faire un... Comme ça, je peux me faire en off au prochain live, je refais le jeu vite fait. Comme ça, je peux choisir mes mondes. Mais on passe en Master Quest. On va te faire foutre. Tiens. C'est quoi? Ah ah! Vous y avez cru, hein? Bon, le monde 5. 120, encore. On retourne à nos bonnes vieilles habitudes. Donc il va me falloir... Il va me falloir 65. C'est ça, hein? 75. Il va me falloir 75 pièces. Bon, on va regarder les maps. On va regarder les maps. Donc, RAS et RAS. Rien à signaler, mon dieu, c'est la tristesse, ce monde. Putain, il y a juste ça dans ce monde-là. Waouh, oh, c'est super décevant. Il y a à peine une dizaine de pièces. Ah bah dis donc, j'espère qu'il y a mieux après. Hein. Donc ici, on a des pièces. On a de la pièce. Ouh, on a une belle section secrète, là. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, là, il va falloir que je passe pas par en dessous, pas dans le tuyau, que je prenne la pièce ici. Et là, je vais avoir un ça à faire. Après, j'ai un multicoin ici aussi à avoir. Ok, j'ai de la pièce. Ah oh ouais, ça va être bien. Ça va être bien pour avoir l'argent. Donc le premier stage, il n'y a rien. Il y a juste un passage secret. Qu'il faut pas que je rate d'ailleurs. C'est ça. C'est un passage secret que je connais en plus. Donc c'est bien. Et le 5-2, il y a une phase de liane. Donc il n'y a pas le tuyau. Le tuyau, faut surtout pas aller dedans parce que ça va être de la perte plus qu'autre chose. Vu le nombre de pièces de différence. Mais ok. Ok, on est prêt. Faut pas mourir, hein, je le rappelle. Donc objectif 75 pièces. Donc ce stage-là, on se fait chier, y'a rien. Y'a clairement rien. Ce stage-là, c'est de la merde. Même là-dedans, dans le petit truc... là-dedans, y'a rien. C'est ridicule. Ça n'a aucun sens. Ce monde n'a aucun sens. Là, il y a une vie. Et j'ai même pas de power-up. Waouh! Ça me surprend quand même de pas avoir de power-up. Parce que là, à cause de ça, je vais pas l'avoir, mon machin. Si j'ai pas de power-up, c'est fâcheux. On va voir. Dans 100 pièces. Il n'y a pas de power-up dans ce niveau? Y a pas de power-up? Tu es sérieux? Non, il n'y en a pas. Putain, je suis sur le cul, quoi. Je suis sur le cul. Pas d'ennemis, hein. Tout va bien. Donc là, il va falloir être vigilant. Il y a du multicoin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses à avoir. Il y a déjà un power-up caché qu'on va limite perdre à cause du frère marteau qui est juste après. Mais ça, c'est pas grave, hein, on va survivre. Voilà ici. Alors quoi que ce frère marteau là, c'est particulier. Regardez, je vais vous montrer un truc. Alors on appelle ça le rage kit. Donc ce tuyau là, ne surtout pas le prendre. Sinon de la grosse merde va venir. La liane, elle va être... Ok, elle va être ici. Ok, désolé, je regarde souvent le machin, là, j'ai pas envie de louper une pièce. Justement. Et voilà.
moi ça apprend les passages secrets, jeu de mort. Hein. On va se dire que c'est pas à la pièce près, lol. Parfait. Parfait. Ah c'est bon le time, tout va bien, pas de stress. Pas de pièce secrète ici. Non. Bon, bah on va prier pour que j'ai assez, hein. 44, il me faudra encore une trentaine de pièces. Il va en falloir une trentaine. Dans le 5-3 et le château. Château, le château a 6 pièces. Plus peut-être un multicoin à la fin. Je vais voir ça. Donc ça se peut. C'est possible. Le 5-3 c'est le 1-3, donc il y a beaucoup de pièces dedans aussi. On compte là-dessus, on compte là-dessus, on compte là-dessus, on croise les doigts. Pour ne pas se chier dessus, bien sûr. Il faut également ne pas mourir. Encore une dizaine de pièces. Ok, j'ai gagné. Si je prends les 6 pièces, j'ai gagné. Si je prends les 6 pièces, j'ai gagné. Parfait. Excellent. Excellent. On va pouvoir le faire du premier coup. Comme ça, on va pouvoir s'arrêter là. Et on fera le monde 6, 7, 8 la prochaine fois. Parce que je pense que cette vidéo-là est déjà bien longue pour YouTube. Qui n'en peut déjà plus. Oh, dommage, faut pas se faire toucher avant. J'ai très envie de me faire toucher avant, voilà. Parce que c'est ici que tout va se jouer. Donc là, au limite, je fais ça. Et voilà. Et ouais. Il y avait un multicoin ici. J'en ai aucune. Excellent. Bien. Écoutez, il nous reste 5 trophées. On a fait 690 sur 800. Le pourcentage n'est pas le bon. On va dire ça comme ça. Je suis 665e car j'ai dépassé AD. 39 459. Bientôt les 40 000. Bientôt les 40 000, bien évidemment. Donc, plus que 5 trophées, bah, ces 3-là. Donc, c'est 155 encore le monde 6. Ah oui, il y a de la phase avec les haricots dans le monde 6, donc ça se peut très très bien. Monde 7, ça va peut-être pas être très dur. Et monde 8, il va falloir voir. Il va falloir voir. Mais à mon avis, le 8-3 et le 8-4 n'ont quasiment rien. Donc, ça va sûrement être 8-1, 8-2 où tout va jouer. Donc, ça se peut que ce soit pas très douloureux. On va dire ça comme ça. Ça, attendez, ça je le fais en off, YouTube. Et ça, ce sera. Je me demande comment il fonctionne. Je me demande honnêtement comment ce RA fonctionne. J'ai regardé les commentaires. Je sais pas comment on tue un frère marteau à la carapace. La bilbal, ça va. C'est dans le 5-3, on peut en avoir. Les poissons, c'est dans le 7-3 qu'on peut le faire. Ou bien dans la deuxième quête, hein, d'ailleurs. Mais le frère marteau, ça va être une grande question à laquelle on espère répondre la prochaine fois YouTube. N'hésite pas. N'hésite pas YouTube à aimer cette vidéo, à la commenter, bien sûr, comme d'habitude. Et je te retrouve la prochaine fois. Pour la prochaine vidéo, prochaine session ERA, ce sera plus tard. On verra, peut-être que j'attendrai d'avoir toutes les sessions, toutes les 5 du coup on va dire pour YouTube, comme ça je les balance toutes d'une claque, ou bien je les balance comme ça en mode varié, je verrai. En tout cas, au revoir YouTube, merci d'avoir été là.